Madame, Monsieur, bonjour. Attentats, mouvements sociaux, une actualité qui a très nettement perturbé la fréquentation touristique cet été en France. Dans ce contexte, l'Aquitaine a plutôt bien résisté. Et alors que se terminent les vacances de la Toussaint, les professionnels du secteur restent sur leur garde. Tourisme en Aquitaine, quel avenir? Voici l'heure des questions. Invité de dimanche en politique, Mathias Fekl. Bonjour, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Christophe Fauvel, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dordogne. Et Jean-Baptiste Dagréou, président de la Fédération régionale d'hôtellerie de plein air de la Nouvelle-Aquitaine. Messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation ce dimanche matin. Alors nous sommes au cœur ou quasiment à la fin des vacances de la Toussaint et j'aimerais que l'on voit tout de suite une question de nos internautes qui participent à cette émission et qui nous suivent. C'est Manuel qui nous demande quel est l'intérêt de programmer les vacances scolaires de la Toussaint du mercredi au mercredi. Mathias Fekl. Le calendrier est très important. On a beaucoup travaillé notamment sur le calendrier des vacances de Pâques parce qu'il y avait la problématique du ski. Et il est vrai qu'il est mieux d'avoir des vacances au moment où il reste encore de la neige dans les stations. Ça répondait à une attente très forte des professionnels. Donc on peut tout à fait regarder les questions de calendrier. Avec la ministre de l'Éducation, nous sommes très attentifs à cela. Après, il y a d'autres questions, la question des rythmes scolaires, il y a la question de l'intérêt de l'enfant sur comment espacer les vacances. Le sentiment que j'ai, c'est quand même que là, sur ces vacances de la Toussaint, les choses se passent bien et que beaucoup de gens qui souhaitaient partir en vacances ont pu le faire malgré ce calendrier-là. Alors justement, on va voir quelles sont les réponses du terrain puisque nous sommes allés faire une petite enquête de terrain, un reportage donc tourné à Brantôme en Dordogne. Émilie Bersard, Clémence Rouer. Dernière ligne droite avant la trêve hivernale. Alors que la ville de Brantôme se pare de ses plus belles couleurs automnales, les derniers vacanciers déambulent dans les rues. C'est le meilleur moment, avec cette couleur dans les arbres, pas trop de voitures, pas trop de touristes, absolument magnifique. La tranquillité, voilà le point fort des vacances de la Toussaint. La possibilité pour les camping-caristes, par exemple, de boire leur café entre amis sur un parking désert. Le plaisir pour un père et son fils de converser devant leur poste de télé, même si cette année le décalage des vacances débutant un jeudi a perturbé la petite famille. On n'aime pas trop. On préfère que ça soit commencé le samedi ou au samedi. Ça fait un petit décalage quand même. Longtemps craint par les professionnels, ce calendrier atypique, les privant d'un week-end de vacances, ne semble pas avoir affecté au final les hôteliers. Dans l'hôtellerie, les gens ne viennent pas une semaine. Donc ils vont venir sur des séjours plus fractionnés. Donc je ne pense pas que ça puisse nous porter préjudice. Au contraire. Pas plus d'ailleurs que pour les sites touristiques, comme ici, au château de Bourdeille. Il existe donc bien une clientèle pour les vacances de la Toussaint et peu importe l'agenda. Il est juste dommage que l'offre à Brantôme ne suive pas toujours la demande. Christophe Fauvel, nous sommes sur vos terres. Vous êtes, je l'ai dit, président de la CCI de Dordogne. On voit là que les structures ne sont pas toujours suffisamment adaptées pour accueillir un public qui reste nombreux à la Toussaint, en fait. Les touristes sont là chez vous, en ce moment. Oui, ils sont là, ils sont bien présents. On a un formidable outil en Dordogne, qui est notamment l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord, qui approvisionne tout à fait régulièrement le département, voire les départements limitrophes, en touristes étrangers. Vous avez l'impression qu'à cette période de l'année, tous les établissements ne sont pas suffisamment ouverts pour accueillir les touristes qui sont encore là? Certaines structures sont déjà fermées? C'est plus la pleine saison, bien évidemment, et certains doivent, pour des questions de logistique, effectivement, réduire un peu leur plage. Alors, nous y travaillons avec la CCI en étroite relation avec les professionnels pour qu'ils tentent de répondre à la demande, parce que c'est bien d'avoir des touristes. Encore faut-il les accueillir, les recevoir dignement. Justement, Jean-Baptiste Dagréou, alors vous connaissez bien le terrain, vous êtes propriétaire de 6 campings, 2 en Charente-Maritime, 4 dans les Landes. Comment se passent les vacances de la Toussaint dans les campings, justement, dans notre région Nouvelle-Aquitaine? En Nouvelle-Aquitaine, tous les campings ne sont pas ouverts. Certains le sont et on s'adapte.
On parle toujours de 15 jours de vacances, peu importe si ça commence du jeudi au jeudi ou du jeudi au mercredi. Il suffit de s'adapter et ça peut le faire. Le plus dur, ça va être de changer les mentalités, que ce soit dans les campings et surtout des clients. Comme on peut le voir dans le reportage, le client est bloqué parce que ce n'est pas du samedi au samedi, alors que bon, 7 jours, c'est toujours 7 jours et les vacances, on peut s'adapter et pouvoir passer les vacances comme on veut. L'avantage qu'on a en hors saison, c'est qu'on part quand on veut et on revient quand on veut. Donc en fait, vous y trouvez un intérêt, vous n'avez rien perdu sur ces vacances de la Toussaint? Non, on n'a absolument rien perdu. C'est juste certains qui aiment bien se plaindre, mais normalement, tout va bien. 15 jours, c'est toujours 15 jours de vacances et la clientèle est là. Et les clients qui viennent pour la Toussaint s'adaptent automatiquement. Mathias Fekel, vous êtes ministre chargé du tourisme en France. Vous êtes Lot-et-Garonnais, vous regardez à la fois ce qui se passe dans notre région, mais évidemment ce qui se passe en France. Retour sur cet été. Est-ce que l'été 2016 a été un été difficile pour la France en matière de tourisme? Oui, bien sûr. Dire le contraire, ce serait ne pas dire la vérité. C'est une année particulièrement dure, notamment sur ce qui est la clientèle internationale, et en particulier sur Paris et sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en particulier suite aux attentats. Et avec d'autres événements, notamment la météo, etc., qui sont greffés dessus. Donc si vous mettez l'ensemble des choses en commun, ça fait une saison touristique particulièrement dure. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en région, dans beaucoup d'endroits, le tourisme a augmenté. Tourisme international parfois, tourisme des Français aussi. Et c'est 2/3 de la dépense touristique qui vient de la dépense des Français. Donc c'est un bilan très mitigé, avec des difficultés qui sont concentrées là où il y a eu les attentats en particulier, qui ont frappé notre pays, qui ont bouleversé le monde entier, mais qui ont eu un impact sur aussi Nice, la fréquentation Paris, évidemment. Touristique. Pardon. Nice, Paris. Oui, bien sûr. Et là, on a pris des mesures d'urgence avec des décisions de pouvoir étaler des versements de cotisations sociales et fiscales, avec des plans de relance qui existent sur ces régions, avec un plan de promotion de 10 millions d'euros pour l'ensemble du pays, la promotion de la destination France. Et moi, déplacement après déplacement, je conduis des délégations touristiques, des destinations touristiques qui viennent présenter le meilleur visage possible de la France, c'est-à-dire notre culture, notre patrimoine, notre gastronomie, la diversité des expériences touristiques qu'on peut faire. Parce qu'en France, on a une force extraordinaire, c'est que vous souhaitiez aller en ville, à la campagne, que vous souhaitiez aller faire du tourisme sur la culture, sur au contraire la nature, le sport, la mer, la montagne, vous pouvez tout faire. Et ça, c'est un atout extraordinaire. Donc malgré les difficultés que nous avons connues, nous restons la première destination touristique au monde avec un nouveau record battu l'an dernier. 85 millions de touristes accueillis, donc difficultés importantes pour les professionnels et en même temps des atouts extraordinaires que nous continuons à valoriser. Alors justement, à ce sujet, Yves Foulon, qui est le député maire d'Arcachon, qui est aussi pour le parti Les Républicains, le secrétaire national chargé du tourisme, vous interpelle à ce sujet. Il s'inquiète, il constate comme vous une baisse de la fréquentation cet été et peut-être, selon lui, un manque de prise de conscience du gouvernement des enjeux à venir. On écoute Yves Foulon. Le tourisme va mal en France. On est toujours la première destination mondiale, mais on perd beaucoup de parts de marché. Nous reculons quand les autres progressent. Et les industriels du tourisme vont très mal et cela va entraîner un chômage encore plus important que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et le gouvernement fait ce constat, mais ne prend pas les bonnes mesures. On a vu dernièrement qu'ils avaient débloqué à peine 1 million d'euros, ce que la région PACA, elle toute seule, avait fait simplement pour son territoire. Et là, aujourd'hui, on parle de 10 millions d'euros, mais rien n'est fait, rien n'a été concrètement débloqué et la destination France se porte de plus en plus mal avec ce qui se passe comme conséquence, c'est des industriels du tourisme, des hôteliers, des restaurateurs qui vont commencer à débaucher et à créer le marasme dans lequel nous nous trouvons déjà. Mathias Fekel, est-ce qu'il y a un enjeu sur l'emploi? Est-ce que certaines entreprises sont déjà en difficulté? Est-ce que les aides n'arrivent pas? D'abord, visiblement, la campagne électorale est lancée et quand on ne sait pas quoi dire, on dit que tout ce qui est fait est mauvais. C'est la première fois depuis des années, et les professionnels du tourisme le reconnaissent volontiers, que le tourisme est porté au plus haut niveau de l'État. Le président de la République en a fait une grande cause nationale, c'est piloté depuis le Quai d'Orsay. Il y a une implication totale et permanente des professionnels parce que nous, on ne considère pas qu'on décrète le bonheur dans le tourisme ou les choses. On doit construire avec les professionnels sur le terrain les choses. C'est ce qu'on va faire avec le comité interministériel dans une semaine. Ensuite, la conférence annuelle sur le tourisme présidée par Jean-Marc Ayrault. Mais il y a une mobilisation totale. 1 milliard d'euros sont mis en place pour accompagner les projets touristiques des professionnels.
collectivités locales comme privées. Avec la Caisse des dépôts, on a mis en place. Est-ce que vous avez pour autant d'ores et déjà un fonds d'un milliard d'euros? Il n'y a pas beaucoup d'endroits où aujourd'hui on peut dire vous avez un milliard d'euros pour accompagner vos projets. Et on est-ce que vous avez des professionnels qui vous font remonter des informations inquiétantes, notamment concernant l'emploi dans leur secteur? Mais évidemment, on est en permanence en contact avec eux. Le tourisme dans notre pays, c'est 2 millions d'emplois. C'est 2 millions de personnes qui font vivre des métiers extraordinaires avec passion sur l'ensemble du territoire. Et il y a évidemment des difficultés. Rien que dans notre région, ici, c'est plus de 100 000 emplois. Donc, personne ne découvre les difficultés, simplement. 100 000 emplois directs et on peut multiplier par 3 ou 4 oui. en induit, hein, c'est bien c'est ça. C'est énorme et oui. c'est une industrie à part entière. C'est 8% de notre richesse nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un portage à la hauteur de cela. Et vous savez, le mieux, y compris pour que notre pays reste attractif, c'est que quand on est à l'international, on aille ensemble présenter la destination France. J'étais récemment en Chine, qui est un marché très important pour le tourisme, vous le savez, et je conduisais une délégation dans laquelle il y avait beaucoup de destinations qui venaient se présenter et représentées par des élus de toutes les tendances politiques. Et qu'est-ce qui a frappé les esprits? C'est qu'il y avait 80 personnes ensemble, quelles que soient par ailleurs les différences, qui voulaient présenter le meilleur visage possible de la France. C'est comme ça, beaucoup plus que par des polémiques stériles et inutiles, qu'on peut porter la destination France et donner envie aux gens de venir. Après, il y a des difficultés. L'investissement, 1 milliard d'euros. La formation, travailler avec les professionnels, les choix. On va revenir sur la formation, parce que ça c'est un point très important. On va revenir sur la formation, notamment en Aquitaine. L'Aquitaine, donc, il s'en sort mieux cette année que la France, on l'a dit, avec les difficultés que vous venez d'énoncer. Et notamment dans les campings qui ont plutôt fait une bonne saison, et certains plus précisément. Regardez. Entre Arcachon et le Moulon. Salut Patrick. Tu m'as compris? Si tu veux chasser la guêpe, reste à côté du pot de miel. Salut Patrick. Les flots bleus, c'est quand même une merveille. Pas question que le camping des flots bleus soit rayé de la carte. Vous avez devant vous le nouveau Patrick Chirac. Alors un petit clin d'œil dans cette émission. Jean-Baptiste Dagréou, vous le connaissez bien ce camping? Oui. Vous étiez propriétaire à l'époque du tournage du camping, le premier en fait. Camping c'est bien numéro ça. 1, oui, ça s'est fait, c'était à la maison. Le ensuite, vous l'avez vendu. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un impact d'ailleurs? Enfin, j'imagine que oui, après le film, est-ce que vous avez bénéficié des retombées suite à cette Ce camping-là publicité. A la chance d'être au pied de la dune du Pila, donc il n'a pas forcément besoin de publicité. Et quand le film est sorti, on était déjà complet en réservation. Sauf que ce qui a changé, c'est qu'on a commencé à remplir les réservations de l'année d'après, l'année N, au moment de la sortie du film. Donc alors, oui, ça a eu un buzz phénoménal. Est-ce que plus globalement, ce film et ces films qui ont suivi ont peut-être redoré un peu le blason du camping ou donné envie à des gens qui n'y allaient pas avant d'y aller? Voilà, c'est plutôt ça. Ça a donné envie aux gens de venir découvrir le camping. Parce qu'à l'époque de la sortie du film, il y avait 5 millions de Français qui allaient en camping. Donc tout le monde savait comment se passait le camping. Mais avec l'évolution du camping, puisqu'on est en perpétuel mouvement avec les chalets, les mobil-homes, on attire une nouvelle clientèle qui, justement, l'a découverte par l'intermédiaire de ce film et l'a rendu populaire. Il l'était déjà, mais beaucoup plus accessible que ce qu'il n'était. Alors, si on prend un peu de hauteur en dehors du film, comment se porte le camping aujourd'hui dans notre région, en Aquitaine et en Nouvelle-Aquitaine? Alors, nous, on se porte bien, c'est-à-dire que nos chiffres d'affaires progressent de 2,5 à 3% par an, mais pas forcément nos marges. On parlait de problèmes tout à l'heure de fréquentation. On n'a pas trop ce sujet de fréquentation. Au mois de juin, on a souffert à cause des grèves et à cause du mauvais temps, mais on s'est rattrapé au mois de septembre. Donc le camping ne subit pas ce que subissent les hôteliers, par exemple, parce qu'on a su s'adapter avec des moyens différents. Nous, on représente l'hôtellerie de plein air en Nouvelle-Aquitaine, c'est des chiffres phénoménaux, c'est-à-dire 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 000 emplacements, ça cause beaucoup. Mais en fait, si on fait le point, il y a 1400 terrains de camping. Donc le camping moyen, c'est un camping de 130 emplacements qui fait 350 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ce sont des PME qui sont tenues à bout de bras. Et nous, les problèmes que l'on trouve, ce sont des problèmes plus administratifs. C'est-à-dire, on a déjà interpellé le ministre justement à ce sujet. Et on aimerait savoir comment ça évolue, parce qu'on n'a pas l'impression que ça évolue bien pour le moment. On a des adhérents qui sont pris à la gorge, de savoir justement comment on va évoluer, comment on pourra avoir un peu d'air justement pour pouvoir permettre à nos campings de faire leur activité principale. Leur principale mission, c'est accueillir les clients et pas forcément de faire de l'administratif.
Vous avez peut-être une réponse à apporter. Oui, on avait déjà échangé sur le terrain là-dessus à Brouage, à l'invitation de Michaël Vallée, le conseiller départemental et maire de Marennes. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question sur les marges. Et le CICE est destiné aussi à donner justement de l'air là-dessus. Et je pense quand même que beaucoup d'entreprises dans le tourisme en ont profité, y compris de petites structures. Et après, il y a la question de la difficulté administrative et notamment des contrôles. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Sur les différentes normes. Il y a besoin de contrôle. Une destination touristique est attractive aussi parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité, parce qu'on peut confier ses enfants sans crainte, etc. Mais il y a besoin de rationaliser beaucoup plus les contrôles pour que probablement les services de l'État arrivent plus ensemble en contrôlant d'un coup plutôt que de venir de manière dispersée. Il y a ensuite la question des délais, vous savez, toute une série d'autorisations obtenues. On a fait un premier travail là-dessus l'an dernier avec l'ordonnance sur le tourisme qui met en cohérence des délais, qui met en cohérence des régimes d'autorisation plus simples. Mais il faut poursuivre ce travail-là. Ça, c'est certain. C'est vrai dans le tourisme, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines où souvent, en France, on a l'art de complexifier les choses. Alors, on va voir justement que c'est un problème qu'évoquent les acteurs du monde du tourisme. Nous sommes allés à la rencontre de Jérôme Tourbier, qui est le cofondateur des Sources de Caudalie en Gironde, qui a écrit un livre également sur tourisme en péril et qui évoque ces contraintes trop pesantes. On l'écoute. Il y a un mépris qui existe pour ces métiers de service parce qu'ils sont souvent assimilés à la servitude. Quand on aura compris en France que cette industrie est stratégique et qu'elle va participer au redressement de notre région et de notre pays, alors on laissera toutes les énergies créatives. Donc ce qui concerne l'industrie du tourisme aujourd'hui, c'est ce qui finalement gêne et perturbe toutes les autres industries de notre pays, c'est qu'on met trop de normatifs, trop de contraintes à l'initiative individuelle. Christophe Fauvel. Vous constatez, vous aussi, sur le terrain au quotidien, c'est ce que rencontrent les difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise en Dordogne ? Oui, clairement, un foisonnement effectivement des réglementations, des normes. Alors notre rôle au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est d'accompagner les professionnels. Ce n'est pas de faire la politique du tourisme à la place de ceux qui en ont la charge, mais d'accompagner les professionnels. Est-ce que ces normes mettent en danger certaines structures ? Oui, parce qu'on a vu aujourd'hui, par exemple, les normes sur l'accessibilité qui demandent d'énormes investissements pour les professionnels qui doivent se faire, bien entendu, mais au détriment d'investissements plus stratégiques. Donc notre rôle au niveau, je reviens de la Chambre de commerce, c'est d'accompagner les professionnels là-dessus, en matière de marketing, en matière d'accessibilité, en matière de ressources humaines et organiser des ateliers spécifiques pour qu'ils puissent franchir ces épreuves sans dommage. Jean-Baptiste Dagréau, vous constatez la même situation sur le terrain ? La même situation. Les normes, elles doivent changer. L'accessibilité, il faut en être conscient. C'est les délais qui sont courts. Et tout ce qui est investissement doit rapporter du chiffre d'affaires. Or, la mise en normes, la mise en place des normes ne ramène pas de chiffre d'affaires. Le souci qu'on a, nous, qui se rencontrons en plus, c'est l'interprétation des lois. Nous, dans les campings, par exemple, on a des chalets, des mobil-homes. Les chalets, c'est des HLL soumis à une taxe. Les mobil-homes, ce ne sont pas soumis à des taxes. Et quand vous avez des inspecteurs qui viennent et qui vous reclassent tous les mobil-homes en HLL pour récupérer une taxe et vous disent « Ah, ben tiens, en plus, vous avez la télé, donc la télé est taxable dans les chalets et pas dans les mobil-homes », on se retrouve avec des adhérents qui appellent en pleurs en disant « Mais attendez, c'est un mobil-home. Et c'est ça qui, en plus, nous écrase. Les normes, il faut bien qu'on y arrive à un moment ou à un autre. Est-ce que vous demandez un étalement, plus de temps, plus de compréhension, un dialogue avec le bah justement, Mathias Fekel ? Pour ce qui est la mise aux normes, je pense, oui, des délais, mais il faut y arriver là-dessus. Là où on aimerait avoir une écoute, c'est justement quand il y a de l'abus de l'interprétation de la loi. C'est-à-dire, on nous dit c'est comme ça, on l'applique, et puis quand quelqu'un vient vous dire « Ah mais oui, mais moi j'estime que c'est pas comme ça, c'est autrement », c'est que sa parole et c'est pas la loi qui le dit. Et on aimerait justement avoir une oreille et vous présenter justement 3-4 sujets qu'on a justement là-dessus, et vous risquez de tomber de haut parce qu'effectivement ce n'est que d'une interprétation qui à l'origine, je sais pas, une caravane c'est une caravane, un mobil-home c'est un mobil-home, c'est pas parce qu'on le raccorde que c'est plus un mobil-home, c'est toujours un mobil-home. Non mais évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux contrôles et comment mettre en œuvre les contrôles. Il y a besoin d'avoir une approche là-dessus qui tienne compte des réalités et qui surtout applique les textes, rien que les textes. Aucun problème. Et d'ailleurs, si vous avez des cas particuliers à me signaler, n'hésitez pas. Moi, je suis tout à fait prêt à regarder ça. Vous le savez d'ailleurs. Il faut travailler là-dessus. Après, il y a aussi des choses comme l'accessibilité, par exemple, où on sait que c'est compliqué et que c'est coûteux, mais en même temps, c'est une question d'intégration
des personnes en situation de handicap, et ça peut aussi, à plus long terme, être une source de revenus, parce qu'on sait que le tourisme des seniors est un secteur qui est amené à se développer, et j'ai d'ailleurs confié à un député, Christophe Bouillon, une mission pour travailler là-dessus. On sait que là-dessus, il y aura des opportunités très fortes. Or, le tourisme des seniors veut aussi dire, pour certains d'entre eux, qu'ils ont besoin de cela. Donc ça peut aussi devenir de l'investissement productif, mais l'importance, c'est ce que font les acteurs de terrain, c'est l'accompagnement, c'est de donner le temps, et c'est de ensuite pouvoir avoir un retour sur investissement. Alors Jérôme Tourmier évoquait tout à l'heure, il parlait même de mépris par rapport à cette profession ou par rapport à la formation. Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État français fait suffisamment d'efforts pour former un personnel qualifié, qui on le sait est très saisonnier, et qui va devoir travailler parfois beaucoup, dans tous les cas une certaine période de l'année, puis ensuite un peu moins. Est-ce que l'on est capable aujourd'hui d'aider les professionnels à former des gens compétents et qui ont cette flexibilité ? C'est un des quatre chantiers que nous avons mis en place dans le cadre de la conférence annuelle sur le tourisme avec les professionnels, parce que ce n'est pas par décret qu'on va commencer à former les gens, c'est par des démarches de terrain et aussi par le partage des bonnes pratiques. On en a beaucoup parlé d'ailleurs déjà avec Jérôme Tourbier. Là-dessus, il y a une volonté très forte. Il y a du concret qui est déjà mis en place avec notamment les chambres et avec les régions. On travaille beaucoup ici avec Sandrine Derville, la vice-présidente au tourisme en Aquitaine là-dessus, avec l'équipe autour d'elle. C'est un sujet d'avenir. Il y a besoin de former, y compris en matière linguistique, comment accueillir dans plusieurs langues quand vous avez des clientèles internationales. Il y a besoin de sécuriser davantage les saisonniers qu'ils ne le sont aujourd'hui parce qu'ils peuvent être privés d'accès au logement, privés d'accès à la santé, d'accès de la validation de leurs acquis professionnels. Et il y a en même temps, de l'autre côté, à donner aux professionnels les marges nécessaires pour qu'ils puissent bien travailler là-dessus. Mais vraiment, sur cet aspect-là, il y a des formations qui sont mises en place sur les langues, sur l'accueil, sur le numérique, qui est un sujet absolument essentiel pour demain aussi, comment lancer les applications, comment être totalement en phase avec les nouveaux développements qui existent dans le tourisme en cette matière. Et encore une fois, c'est un des quatre grands chantiers avec l'investissement, avec la qualité, avec l'accueil, avec le numérique que nous avons mis en place. Alors, il nous reste 5 minutes dans cette émission, ça passe très vite. On a encore plein de questions, et notamment une question d'un internaute, en l'occurrence d'une internaute, Laurence, qui nous demande quel a été le budget moyen d'une famille pour les vacances d'été en Aquitaine cette année. Est-ce que quelqu'un a la réponse ? On n'a pas encore les chiffres sur cette année, donc je ne peux pas vous dire malheureusement pour les chiffres définitifs là-dessus. L'année dernière ? Non, je n'ai pas le chiffre là, je ne veux pas vous dire de choses approximatives. Eh bien, écoutez, on essaiera d'y répondre sur notre site internet dès que les chiffres seront publiés. Christophe Fauvel, en Dordogne, vous n'avez pas le littoral, je ne vous apprends rien, mais vous avez d'autres atouts et vous avez notamment des événements à venir. D'abord, est-ce qu'en Dordogne, vous avez redouté l'effet Brexit ? Les Anglais viennent beaucoup sur votre territoire, est-ce que vous en avez subi les conséquences cette année ? La question s'est posée effectivement parce qu'on a, je le disais tout à l'heure, on a un aéroport qui est très dynamique à Bergerac, mais qui est constitué à 70% de Britanniques qui arrivent donc sur le territoire bergeracois et qui s'essaiment ensuite sur tout le département de la Dordogne. Et force est de constater que cet été, nous avons battu tous les records de fréquentation sur l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord. Donc l'effet Brexit, en tout cas pour l'instant, ne s'est pas ressenti. Les Britanniques viennent sur votre territoire, mais ensuite votre objectif, j'imagine, c'est de les faire rester en Dordogne. Oui, tout à fait. Et à ce titre-là, le ministre tout à l'heure a prononcé quelque chose de très important, c'est le ensemble. Et le ensemble, je crois, aujourd'hui, nous devons encore progresser en Dordogne là-dessus, entre le Sarladais qui est très puissant, la capitale périgordine qui existe, le Bergeracois et son vignoble très, très puissant. Il faut que ces trois masses-là travaillent peut-être davantage ensemble pour essayer de conserver ce touriste le plus longtemps possible dans notre département. On ne peut pas faire cette émission sans évoquer un événement à venir dans quelques semaines en Dordogne, l'ouverture de l'ASCO 4, le centre d'art pariétal. C'est un lieu qui va créer un bouleversement. Vous attendez énormément de visiteurs, de touristes grâce à ce centre. Oui, nous sommes aujourd'hui à 3 millions de touristes à peu près accueillis en Dordogne. On vise 4 millions avec ce phénoménal projet. Et c'est l'occasion quand même de rendre hommage aussi à ceux qui l'ont porté, le sénateur et président du Conseil général Bernard Cazeau et son successeur Germinal Perrault. Ouverture prévue le 15 décembre. D'ailleurs, Mathias Fekel, peut-être avez-vous une information à nous communiquer. On annonce François Hollande pour inaugurer ce centre ? Je ne veux pas le confirmer à ce stade,
Ce qui est sûr, c'est que le président suit de très près ce projet-là qui est magnifique, extraordinaire. Vous avez rendu hommage au fondateur. Franchement, c'est incroyable. Et de la même manière, l'ASCO tourne dans le monde entier. Une exposition itinérante absolument formidable qu'avec Germinal Perrault, nous avions inaugurée à Paris et qui donne mais vraiment une vision magnifique et bouleversante absolument. De ce lieu de culture. Il nous reste deux minutes et il y a tellement d'autres questions. Jean-Baptiste Dagréou, est-ce qu'on peut dire que pour attirer la clientèle étrangère, il faut vraiment monter en gamme? Et est-ce qu'on est suffisamment équipé dans notre région? On est suffisamment équipé pour certains. Il est vrai que les campings 4 et 5 étoiles qui ont opté pour de la qualité avec une démarche qualité tourisme ou même camping qualité en ce qui nous concerne ont moins subi la fréquentation, la baisse de fréquentation que les campings 1, 2 et 3 étoiles. Donc oui, la qualité est gage de réussite et si la moyenne augmente, c'est justement du chiffre d'affaires augmente, c'est justement parce que les 4 et 5 étoiles ont tiré leur épingle du jeu. La formation, pour en revenir à ce que disait le ministre, oui, on sent qu'on a une oreille à l'heure actuelle, notamment dans la Nouvelle-Aquitaine avec, comme vous le dites, Sandrine Derville, on a des appels du pied justement pour lancer des formations parce qu'effectivement ça nous manque et on en a besoin de plus en plus. Une dernière question. Cette semaine, une annonce assez surprenante, en tous les cas très agréable pour Bordeaux, puisque le guide Lonely Planet a annoncé que Bordeaux était la ville la plus attractive du monde. Vous en pensez quoi, Mathias Fekel ? C'est pas surprenant. C'est pas surprenant que ce soit dans notre région que les choses soient attractives. Non, évidemment... En 10 secondes pour terminer. Écoutez, la Cité du Vin, par exemple, la Cité du Vin avec le président et avec le maire de Bordeaux, et donne un rayonnement extraordinaire et a frappé les esprits dans le monde entier, je crois. Est-ce que les premiers résultats, les premiers chiffres de fréquentation sont considérés comme étant satisfaisants, d'ailleurs? Il faut demander à ceux qui font vivre cette magnifique entité, ce qui est sûr. On demandera à Philippe Massol. Oui, mais franchement, là, vous avez tout. Vous avez l'excellence française, la qualité, le vin, produit de civilisation. Dans une ville extraordinaire, dans une région magnifique. Voilà, c'est ça la France aussi. Et c'est pour ça que les touristes sont heureux d'y venir. Messieurs, merci. Merci infiniment. Merci d'avoir participé à Dimanche en politique. Dimanche en politique qui se poursuit maintenant avec Francis Letellier. Excellent après-midi.